Bien, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le mouvement démocrate, le groupe du mouvement démocrate et apparenté votera bien évidemment ce texte et nous le voterons car nous avons eu le temps non seulement d'échanger longuement sur les sujets qui nous étaient proposés, mais nous avons aussi eu le temps de poser un diagnostic clair sur la situation des entreprises de France. Et le premier constat, c'est que la France est un terrain moins fertile que d'autres pays européens, pour l'émergence de grandes entreprises, d'entreprises qui grandissent, qui créent des emplois et qui contribuent également à accroître l'influence de la France dans le monde. Et le texte qui nous est proposé aujourd'hui permet d'accompagner les entreprises de France dans cette croissance à toutes les étapes de leur cycle de vie. D'abord à la naissance avec la simplification des formalités, puis dans toutes les étapes clés de la croissance grâce à un lissage très attendu des seuils qui ne seront plus applicables qu'après leur franchissement, que 5 ans après leur franchissement, ce qui permettra aux entreprises de croître sans s'arrêter au niveau des seuils. Et puis enfin, au moment des difficultés, avec des mesures proposées par le mouvement démocrate et par la présidente Olivia Grégoire, concernant les délais de paiement avec la sécurisation juridique de l'affacturage inversé, qui permettra aux entreprises qui travaillent avec l'État d'être payées très en amont, ce qui les mettra à l'abri des difficultés financières. Avec l'habilitation à réformer par ordonnance le droit des sûretés et le droit des procédures collectives pour permettre aux entreprises de se sortir plus vite et en meilleur état des procédures collectives. Et puis, pour les entrepreneurs, le rebond avec la suppression notamment de l'indicateur 0,50, ce qui permet à un entrepreneur qui n'a pas eu autant de chance que d'autres de repartir, de recréer une nouvelle entreprise. Deuxième constat, l'épargne des Français qui était jusqu'à présent tout entière guidée par des considérations fiscales et qui ne répondait pas aux besoins concrets des Français, et notamment en matière de retraite. Et là aussi, des solutions qui sont apportées à ces problèmes de pouvoir d'achat et de préparation de la retraite, avec la création d'un plan d'épargne retraite qui sera beaucoup plus incitatif grâce à un avantage fiscal à l'entrée, qui sera portable, c'est-à-dire qu'on pourra l'emporter avec soi dans les entreprises dans lesquelles on travaillera tout au long de sa carrière professionnelle, qui donnera plus de liberté à la sortie avec la possibilité de sortir avec une rente viagère ou en capital et avec des conditions de concurrence beaucoup plus importantes dans ce secteur. Une réforme assez importante de l'assurance vie grâce au travail et aux apports des parlementaires et notamment la promotion de l'épargne verte, de l'épargne responsable et de l'épargne solidaire, puisque d'ici 2 ans, tout contrat d'assurance vie devra proposer aux souscripteurs des options d'investissement vert, solidaire et responsable. Et d'autre part, les assureurs auront désormais des obligations d'information très précises, à la fois sur les rétrocessions de commissions, c'est-à-dire sur les frais imposés, mais aussi sur les rendements de tous les contrats qui sont ouverts à la souscription de ces sociétés d'assurance. Et puis enfin, des efforts assez considérables dans la direction de l'épargne solidaire, dans l'épargne retraite, puisque l'option par défaut dans les options par défaut du contrat d'épargne retraite, il y aura l'option d'investissement dans des fonds solidaires, mais aussi l'ouverture, en deuxième lecture, des appels publics à l'épargne à toutes les sociétés coopératives, qui est une mesure de nature à permettre à l'économie sociale et solidaire de se développer très fortement. Le troisième constat, c'est qu'évidemment, l'entreprise n'est pas un seul lieu de profit, c'est un lieu où les hommes et les femmes se rencontrent et se rassemblent pour porter des projets communs. Ce sont les salariés, ce sont les employés, ce sont les clients aussi et les fournisseurs. Et le texte nous propose, avec l'intéressement et la participation, avec l'objet social de l'entreprise, avec la refonte du label ESUS, qui est les entreprises solidaires d'utilité sociale, un nouveau modèle pour l'entreprise du XXIe siècle qui était très attendu. Le quatrième constat, c'est que l'intervention de l'État dans l'économie devait être revue. C'est ce que nous avons fait avec la réforme très concertée de la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations et ce que nous faisons aujourd'hui encore avec la privatisation des sociétés d'autoroutes. L'idée, et nous avons eu un certain nombre de questions, mais nous avons aussi obtenu un certain nombre de garanties
avec le cahier des charges, avec la participation demandée par le mouvement démocrate des collectivités locales au capital d'ADP, mais aussi sur la question du bruit, où vous avez eu, monsieur le ministre, vous avez su faire des gestes qui nous ont rassurés. Donc pour toutes ces raisons, nous soutenons ce texte, nous sommes satisfaits de son contenu et nous appelons à le soutenir également. Merci.